Yo YouTube, on va écouter top 10 des rappeurs qui ont fait le rap contenders. Est-ce que je vais me prendre un ban encore une fois? Peut-être, peut-être pas. Un avertissement, je sais pas, ça va dépendre de rap contenders. C'est une vidéo par Gary Lee, une compile. Donc on va checker ça. Like, share, subscribe, et bon bye. Et puis, let's go, man. C'est sûr qu'il va avoir Wojtek, votre rap contenders favori. Wojtek. Ok, t'as beau faire 2 mètres. Yo, Hold on. Lelo a fait les rap contenders, les gars. Ouais, hold on, what? Et regarde la coupe, j'ai l'impression que c'est un. C'est une crête, c'est genre un mohawk. Nekfeu, je savais. Alpha, je savais. Jaziba, je savais pas. Mais. T'es mal à la tête à Lilo, bro. Le petit bonhomme en arrière, on dirait un skater, là. Giddy Vibes, toi, tu vas tomber dès le premier round comme Jean-Marc Mort, mec. Yo, t'es moche, mec. Donc, dans ta cité, depuis que t'as fait rap contenders, les mecs t'appellent même plus fils de pute, ils sont passés à fils de Voidek. C'est que le début, tu sais que je vais te niquer, ouais, t'as dû le capter vu tes 2 satellites. Tu vas avec quelqu'un de malade en ce moment. C'est pas parce que Biggie et Tupac sont morts, c'est juste à cause de la Giddy Vibes bactérie. J'ai pas compris. Ton blast, Giddy Vibes. C'est quoi le délire, genre, j'ai la vibes. Putain, à chaque fois que tu toques à la porte d'un label, tu manges une frappe comme si t'étais un témoin de Jéhovah. Oh. Yo, t'es bonne, ouais. Mais moi, je préfère ta frangine. Soyons francs, mec. Ton père aurait dû t'appeler Rihanna pour pouvoir cacher ton long front sous une frange, mec. Yo, ce soir, t'as Gizmo. Voulu défier le boss, mais tu vas prendre ta gifle. Y en a qui disent que le rap c'était mieux avant. Moi je dis que c'était juste mieux avant que t'arrives. Allez. Et dégarbi avant que t'arrives. T'as beau. Allez, t'as quelque chose à dire? À part chez moi, c'est chaud, ça attire. Menteur, menteur, tu côtoies les ghettos de Paris que quand tu pécho de la weed. Pour info, des fois, je lui bouffe la chenille, je lui mets ma bite dans le trou. T'es pas content? Je te coupe la tête, puis je te chie dans le cou. Yo, et tous tes copains gangsters, en vrai, c'est tous des salopes. Genre, ils exhibent des liasses sur les photos Facebook, mais moi, je sais que c'est le flouze des allocs. Je viens de chercher des poumes malgré ta calve ici. Sneeze vous nique tous, toi et tes sales bitches. Va te faire, tu vas perdre, toi et ton groupe partners. T'as un gros nez, il te sert à rien parce que t'as pas de flair. Tu fais tiep comme ce rap game. Je vais bifler ce wack. Même sa team de gars se lance dans des lap dance. Elle serait prêt à paix pour mon style, même si je portais des pattes def. Race def, t'es comme un chinois circoncis. En gros, tu n'as pas de gag. Stop Asian hate! Stop Asian hate! Mais non! Regarde un collatéral que les Asiatiques se sont pris. Tu n'as. Comme un Chinois circoncis, tu n'as pas de gag. That one was a violation. Moi et mon groupe, on brise les hanches. T'as pas de rime, petite merde. Toi et ton crew, vous êtes la version blanche de Magic System. T'es Magic une victime. What? Ouais, t'as grandi tapé. Big Flo et Oli. Et les gars, en vrai, ils avaient 12 ans, bro. 12 ans, bro. Ça, c'était avant que... C'est des... Attends, en fait, Big Flo et Oli, c'est des quoi? C'est des youtubeurs, des vrais rappeurs, des rappeurs comédiens, des Mr. V, mec. Un duo Mr. V, type shit, je sais pas, je comprends pas.
14 et 16. Des vrais rappeurs. C'est des vrais rappeurs, Big Flo et Oli? Non, mais genre, vous niaisez pas, vous êtes sérieux? C'est comme, ils ont vraiment une carrière de rappeur, là? Ça doit être des rappeurs mainstream. Des rappeurs. Ah ouais! Des fans de rap plutôt. Ah ouais! Jamais j'ai écouté un de leurs sons. Peut-être que oui. En tout cas, non. J'écouterai pas. T'es une victime! Ouais, t'as grandi tapé! Le petit bolos, voilà comment les grands ils t'appelaient! Vous rappez tellement mal que si je mets votre CD dans ma caisse, c'est juste pour pouvoir me garer sur la place handicapée! Ok. Ce soir ils le sentent bien car tous leurs potos s'animent. Et comme tous les consanguins, ce mec se branle sur leur photo de famille. Jean, vous avez la rage. Mais à votre dernier clash, vous êtes partis en chialant. J'ai pas la moitié de leur rage, ils ont pas le quart de mon talent. T'imagines, tu te fais diss par des mecs qui ont la moitié de ton âge. Le crowd est avec eux, ils sont en train de te tourner à l'envers. Rac, 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 rac. Ah, j'aurais vu flou. Rich Quid. Tu peux même pas le taper. C'est genre, si c'est un mec de ton âge, puis qu'il dit un truc déplacé, genre il te lag un truc sur ta mère, on va dire. Genre, tu peux arriver, puis tu le mets un coup, tu vois, tranquille. Mais s'il fait la moitié de ton âge, bro, puis il est capable de te faire sentir mal, bro, tu peux même pas riposter. Tu le touches, tu rentres en prison direct. Damn! Demi-long, je performe avec constance. À la fin, tu verras plus ce conce d'Andine et je suis un monstre tranquille et j'ai pas de problème de conscience. Mais ce soir, c'est bon, tu vas te faire logique, constantise. Oh! Il me fait penser attends, à un corps qui se naze. J'ai pas capté cela, attends. Quoi? Mais ce soir, c'est bon temps, c'est à la fin. Alpha, Alpha. Bon, Alpha, faut être focus. 2011, je performe avec constance. À la fin, tu verras plus ce conce d'Andine et je suis un monstre tranquille et j'ai pas de problème de conscience. Mais ce soir, c'est bon, tu vas te faire logique, constantise. Logique, constantine. Ah, ok. Ok, ok, ok. Parce qu'il faudrait qu'ils mettent qu'ils affrontent aussi. Ça joue avec. Il me fait penser à un corps qui se naze. Je me fous de tes hobbies de trave, même tes homies le savent. On ne touche pas au chromie de Fall. Et je suis sûr que tu m'as entendu parce qu'avec de telles oreilles, t'as forcément une fonction Dolby Surround. Quand je suis arrivé au Québec, j'étais genre, dites-moi ici, c'est qui le boss? On m'a répondu. Ouais, 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 Québec, mais plutôt Montréal. C'est n'importe qui sauf cette bitch sauf de P-Dogs. J'ai dit, aïe. Mais est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est real? On m'a répondu Rick Ross. J'ai dit, aïe, est-ce qu'il fait beaucoup de live? On m'a répondu Xbox. Mais les gars, pour son album, et les gars, ils étaient comme Detox. Tu penses vraiment pouvoir me battre? Inox? Je suis de Paris, dog. T'es qu'un fag qui soque. Tu te prends pour un grizzly, mais t'es plus soft que Paddington. Tu veux faire le badminton? Mais tous tes potes m'ont dit que t'étais prof de badminton. Je crois qu'il y a qui proco. Moi, je suis venu te torturer. Oh, ouais. Mais comme un putain de précoce, t'espères que ça vend. Ça, c'est le viral contre Wishtag. Ah ouais, il avait allumé. Ça, c'est vrai. Corps duré. Pourquoi? Parce que t'es paniqué à l'idée d'aligner ta vie, pérave. Rave. Je te sens palpiter, pas de pitié. Tu t'es habillé, Watibé. T'as pas un centime. Ta femme l'a senti. Ah, ça, c'est contre qui? C'était contre Logique? C'est pas contre Wishtag? Je pensais que c'était la première fois que j'avais vu Washtek et tout là. Gentil, je la fais kiffer comme l'alarme incendie. Ah le rap c'est bien sympa, mais t'assures pas. Respect, gros. Faut que je te casse un bras pour que tu fasses une radio. Je gratte, et la nuit je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Je représente pas le rap Contenders. Mais hey, la première fois que Philly m'a appelé, je m'en rappelle, j'ai raccroché. J'étais sur un tas de projets, j'étais dur à approcher. Il m'a texté, dog, je t'en supplie,
faut que tu viennes infliger des supplices à deux ivrognes stupides devant leur propre public. Hey, il a un chapeau des Canadiens de Montréal. Il s'agissait d'un grand métis aux allures féminines et de sa copine la pleureuse. J'ai dit Nelly Nelly, je battle pas Donnie et Stunner. Et puis avec mes amis, on s'est dit qu'après tout, c'était facile. Vu que ce soir, votre seule victoire, ça a été de faire notre première partie. Nawid, t'es pas crédible, sale fou. Le t'es pas crédible, là. Oh my god. Oh, c'est trop bizarre, bro. Oh, shit. Ça se dit Wojtek. Wojtek. C'est écrit Wojtek, je vais prononcer Wojtek. Ok, t'inquiète, on va prononcer Wojtek. Tiens. Damn, Dinos, ta tête à Dinos, bro. Nah, oui. T'es pas crédible, sale fou. T'es pas critique, je l'avoue. J't'ai pas stressé tes chavons. Je regarde tes clips et j't'avoue qu'avec tous les boutons que t'as, mon Blackberry est jaloux. T'es à deux doigts de finir en psychiatrie parce que même ta main refuse de te faire des petites gâteries. T'es un petit gâtrice qui tapine. T'es naze et c'est unanime. Avec Luigi, on connaît la vérité sur ta cicatrice. C'est toi le bolos qui s'est mangé la bouteille de Jack Daniel's à Urban Peace. Et t'es en chien comme il dit Madown. Je pourrais te tuer avec une ligne. Anyway now, so. C'est quoi, c'est comment on l'appelait avant? Punchlinovitch? 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 Anyway now, so. Moi je dis que t'as une face cramée, des faces ratées et un style fané. Que veux-tu plaider? T'as de femme, LED, VLA, 3 LED, l'alphabet, lâche mon cul PD. Attends. J'ai pas focus, Faut que je sois focus. Lui, je connais pas. Dean Barbigo. Des phases ratées et un style fané. Que veux-tu plaider? T'as de femme, LED, VLA, 3 LED, l'alphabet, lâche mon cul PD. Je savais qu'il y avait un truc caché. Lâche mon cul, mes fesses, mais le cul PD. Ah 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 ah. Lâche mon cul PD. Ah, mais on peut pas dire. Ben yo, Twitch, t'inquiète. Un embryon de buzz, après ça vient le récupérer. Avec tous les compétiteurs qu'il y avait, fallait que je tombe sur l'un des plus PD. Yo, t'as aucun charisme. T'as autant de soi qu'un retraité dans un club et très peu d'élégance. Quand j'étais sur ma feuille, je rêvais de te péter les dents. Si je te vois en bas de chez moi, je te balance ma télé sur la gueule. Ça sera la seule fois de ta vie que t'auras crevé l'écran. Il se prend même pour un rasta. Dans chaque plat, Taipan mélange de la zeb. Ce gars-là, il est tellement à l'ouest, il fait le ménage en boubou, il rentre des courses avec un pack des viandes sur la tête. Quand je prends le stylo, c'est... Ah ah ah. C'était lui. Votre Wojtek, c'est lui qui l'a allumé. T'as de pouvoir. Je suis plus jeune, mais je te fais l'amour comme si t'étais une femme cougar. Pour ce RC5, Donny m'a dit, j'aimerais que tu clashes Gaiden. Gaiden, que je vous dis. C'était parce qu'avec l'aspect grave d'être qu'arrête pas de faire la fête, caresse avec 4 mecs, galère à faire carrière, Wow. Là, je suis même plus capable de capter. J'ai l'impression qu'il dit n'importe quoi. Allez. What? C'était parce qu'avec l'aspect grave d'être qu'arrête pas de faire la fête, caresse avec 4 mecs, galère à faire carrière, arrête pas de faire de la merde avec sa tête d'hamster. Ah, j'ai réussi à capter. Il a dit quoi? Avec 4... Attends, c'est quoi? Faut qu'il répète. Gaiden, que je vous dis.
c'est parce qu'avec l'aspect grave d'être qu'arrête pas de faire la fête, caresse avec 4 mecs, galère à faire carrière, arrête pas de faire de la merde avec sa tête d'hamster. Avec sa tête d'hamster. Il y avait un petit flow là, non? Qu'arrête pas de faire 4 têtes avec sa tête d'hamster. Quand tu prends le chromis à foire, on t'a menti si on t'a promis la gloire. En plus, ton visage n'est pas très joli à voir. En plus, ton visage n'est pas très joli à voir. Pour toi, le port de la burqa devrait être rouge. Ouais, j'étais pas focus. J'étais pas focus. Faut que je sois focus, bro. Quand tu prends le chromis à foire, okay. On t'a menti si on t'a promis la gloire. Okay. En plus, ton visage n'est pas très joli à voir. Okay. En plus, ton visage n'est pas très joli à voir. Pour toi, le port de la burqa devrait être rouge. Oh. C'était contre une meuf. C'est ça, bah je peux pas voir la meuf. Ah, ok, ça fait plus de sens là. La violence. Oh man. T'es mou de l'intérieur comme une gambasse. Je te mets une ficelle sur la tête, je te laisse en sang et... Attends, c'est quoi son nom? Ah, c'est Taipen. T'es mou de l'intérieur comme une gambasse. Je te mets une ficelle sur la tête, je te laisse en sang et t'as l'air d'un tampax. Un tampax qui joue les matu vu. Sauf que la différence entre un tampax et Burbigo, c'est que Burbigo c'est pour les trous du cul. York. Ça m'étonne que tu sois arrivé à l'heure. Mec, je descends du singe une seule fois dans l'année, c'est quand je descends de ta sœur. Freddy! Tu es quelqu'un de sympathique, amical, mais tu serais sûrement encore dans la chatte de ta mère si les chicken wings passaient par le cordon ombilical. Freddy Gruesome! Je vous présente le premier fœtus de la Terre qui est resté 4 années entières dans le ventre de sa mère. Le mec voulait pas sortir du trou. La sage-femme a dû appeler un huissier. Mais le mec voulait pas sortir du tout. 3 semaines après, t'as la sage-femme, l'huissier Samuel L. Jackson avec un mégaphone devant la chatte de sa mère en train de négocier. Freddy, sors de là. Pssst, sois sympa. Tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie dans le col de l'utérus à siroter du rhum placenta. Tu es cerné, Freddy! Tu es cerné, compère! Je demande un hélicoptère! Je demande un hélicoptère! La dernière fois, tu t'es fait péter dans le TGV avec Sanger. Le battle s'est pas fait. Tout le monde était navré. La fête était gâchée. Mais moi, j'étais flatté! Je me suis dit, 100 grammes? T'as besoin de tout ça avant un battle contre WAM pour te calmer. Je me suis dit, soit t'exagères et c'est pas vrai, soit je trouve que pour 100 grammes, t'es quand même sorti super vite de GAV. C'était pas une GAV, c'était une GAV. Oh. Balance. Mais ouais, très bien la compile. Compile Rap Contenders.